Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau épisode de Crusader Kings 2, à la conquête de l'Irlande, présenté par Telebocre, dont moi. Où en étions-nous à l'épisode avant? On avait conquis tout le sud de l'Irlande et on essayait de conquérir. Je crois qu'on n'avait pas fait de revendication encore. Hein. Non, on n'avait pas encore fait de revendication. Et j'ai qu'un vassal et c'est même pas un mec. Hein? Vous, et quand j'appuie là, ça fait vous aussi, ok. On va essayer de conquérir le plus possible dans cet épisode, donc voilà tout. Je sais pas si j'avais mis mon chancelier à Connacht ou à Kildare. J'ai plus de chaplain, ça va. Pourquoi il est pas à ma cour lui? Les fabriquer des revendications là et on va avancer un petit peu le temps. Les nobles locaux de Leinster se plaignent de trop grand nombre de paysans qui en envahissent la cité lors du festival d'été. Dites-leur d'accepter. Ça gaze de la décision du Jarl. Risque de révolte. Non. Piété. Pff, ouais. Et c'est un bon. Ah non 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 non. Désolé. Oh putain, on s'est trompé. Moi aussi je me disais bien aussi. Oh, on s'est trompé à mort. J'ai pris mon vassal parce qu'on peut par après on peut reprendre ses sauvegardes et reprendre un de ses vassaux. Donc là j'avais pas capté que j'avais pris mon vassal à la place de moi. Donc on va recommencer ça et ces deux. Ah là là, on voit bien que c'est le soir. Ah là là. Il y a quand même plus de sous que moi, donc il faudrait quand même que je fasse attention pour pas qu'il se révolte de trop. Voilà, on a envoyé tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La loi, dans les lois. Tout va bien. Impôts féodaux. Est-ce qu'on augmente? Est-ce que les vassaux voudront bien? Ouais. Bon, je vais pas le faire, bon, parce que j'ai pas vraiment besoin d'argent pour le moment. Éduquer un gosse. Éduquer par un Irlandais qui a... Ah non, il est italien-irlandais. Par lui. Est-ce que je peux construire autre chose? J'ai lâché fortifier. Pour améliorer, il faudrait peut-être que ma revendication. Au cas où si j'ai ma revendication, il est avec qui? Oh, pff. Ah, il faut que je me marie. Je vais me marier avec quelqu'un qui a beaucoup en attendance. C'est une Norvégienne, on s'en fout. Pourquoi je peux... Attendez. De toute façon, il me faut quelqu'un au bon en attendance. Courtisane, ah oui. Ouais, ils sont tous nuls en fait. Ouais, quand même bonne en attendance. Est-ce que je tente, moi? Un champ de prestige, bon, on s'en fout en fait. Hein. Euh...
On s'en fout, fuck la police, car je vais même reprendre du prestige. J'ai aucune revendication. Ah si, j'ai une revendication faible sur le royaume d'Aragon. Juste, on va prendre ça. À l'attention du superbe duc Catalin Ier, soyez bénis, vous et votre maison, nous proposons que Prince de Suède et Adriana Nick Pershot se marient. Votre tante... Est-ce que ma maison est bien? Ouais, bof, bof, bof. Hein. Attendez, attendez. Ma tante, c'est elle. Pupille, tante, tante. Ma tante. Allez, acceptation, elle veut bien. Faut pas que je laisse toute ma cour aller dans les autres pays, sinon ça va pas aller. Surtout bien avoir ma revendication ici. Je peux toujours pas... même que j'aurai les sous. Ouais, de toute façon, je sais pas la moitié des trucs. 5 sur 13, il faudra au moins en avoir 7. On va refortifier. Ça, ça va. Le mec des casques qui veut déclare la guerre contre duc premier de Galloway. Le duc de Galloway. Accepté, de toute façon il a qu'une île, donc... De toute façon ça va être pris dans quoi? Il a quelqu'un avec lui? Non, il n'y a personne. Éduquer un enfant. Allez, fais ma revendication sur Connacht. Allez. Allez. En fait, il me faudrait la chasse pour avoir l'église qui me soutienne, donc... Difficile. Ma demi-sœur de Chloé se satisfait de ce qu'il y a vu et lui offre. Elle manque de passion et d'ambition. Cela sied à sa position, c'est inacceptable. Ce sont les deux, je reçois la même chose. Donc. Allez, l'Écosse qui va prendre l'île d'ici peu. On n'entendra même plus parler. Mon héritier. Il y a 4 ans. Il faut que je le fasse éduquer. Je peux pas toujours le... Il faut au moins qu'il ait 6 ans. Teacher. Teacher, mais bon, mon bourg fortifié qui est bientôt construit. On va améliorer le mur d'Esmond. Comme ça, on fera que ces deux-là que j'essayerai de garder le plus longtemps. La patience est une vertu, mais parfois cela m'exaspère. Ma demi-sœur, Condal, ne perd jamais son calme en temps. Attendant toujours patiemment l'occasion de respecter. Bien, je ne supporte pas l'imprudence. Patient. Montrer Condal en exemple à la cour. -10, -10, -10 partout. Rendez grâce à lui pour la vertu Condal. Gagner 10 en piété. Je risque d'être coléreux. On va prendre patient.
Gagner plus 10 en piété. Tap 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 tap. Je voudrais bien conquérir Connacht. Ça m'énerve. On lit pas parce que je les connais. Les chevaliers, j'ai un ordre sacré, mais non. Ouais, ordre sacré. 7700. C'est pas à ignorer ça. Ah, plus 6, 22. Putain. Mais c'est quand que j'ai ma revendication là? Je voudrais bien conquérir les enfants. Tatatata, conseiller, tous mes conseillers vont bien, les lois vont bien, la technologie on s'en fout, l'os on s'en fout, l'intrigue. Acheter des indulgences on s'en fout. Attends, est-ce que j'ai quelqu'un de mes prisonniers? Pas lui déclarer la guerre pour revendiquer son duché. Ah, c'est mon héritier, donc il faudrait que je l'éduque avec quelqu'un de très fort en attendance. Et sa mère, en fait. On a déjà que 1 en érudition, donc ça va. Un prestige augmente déjà. Sauvegarde en cours. Enfin, j'améliore un petit peu partout, comme ça. J'ai le revenu qui augmente. Aujourd'hui, j'ai surpris ma jeune pupille qu'on est en train de torturer un rat derrière les écuries. Il faut bien qu'elle s'amuse. Ouais, hein, c'est normal. Parlez-lui de la gentillesse. Priez pour son âme. Je vais parler avec gentillesse. Bien aimé, c'est un cas de pêtre encore marié, parce que je lui ai trouvé un truc. Votre âge millénaire. Je vais pas le faire marier avec mon fils, hein, c'est dégueulasse. Y a pas quelqu'un. Y a personne. Ils sont tous de ma maison. Monster. Y a bien quelqu'un qui... Votre oncle, votre nièce qui baise avec son père. Ok. Rêve de se marier, ben on va se la marier avec un courtisan. Voilà. Ça c'est fait. Ça va améliorer l'enclos. Va avoir plus de troupes. Et toujours aucune nouvelle de ma revendication. Ça m'énerve. La France qui est dans un état pitoyable, mais ça va quand même, elle a quand même repris le sud. Mais niveau nord, ça va plus. Castique qui commence à bouffer l'Espagne. Gênes qui s'implante un petit peu partout, comme Pise.
la pierre Pisanta qui va bien, la Russie qui s'est formée, hein. Déjà assez tôt elle s'est formée, hein. Ah bah oui, voilà ma revendication. Faut pas que je sois dans le négatif pendant que je vais attaquer. Je crois qu'on aura le temps. Parce que je fais toujours des sessions d'une demi-heure, hein, pour mon montage, pour pas rester pendant 3 heures devant mon montage. C'est pas fabuleux, hein. Tap. Allez, soit plus en négatif, pour que je aille Konak, et après je lui donnerai à mon fils. Comme ça, il faut toujours donner à ses fils ou filles, si vous faites Konaktik, mais Konaktik c'est risqué comme je vous l'ai dit, parce que je te le donnerai pas, Waterfoot. Réclamé de maréchal, il est en mon nouveau maréchal. Votre neveu. Il est désormais mon nouveau maréchal, voilà. Voilà. Mes courtisans. Ah non, il y en a deux. La simple idée de devenir chasse me fait froid dans le dos, mais en même temps ma vie ne me satisfait pas. Quel est donc ce vide que je ressens? Je dois prendre quelques jours pour y réfléchir, ignorez-le, vivez votre vie. De toute façon j'ai déjà une lignée au cas où, moi j'ai un autre. Donc on va aller faire la revendication sur Konakt. On va appeler nos potes. Alors, en fait j'en ai qu'un seul, tant pis. Et on va rassembler tous nos mecs là. Plus tard. Comme ça, j'ai un indice en prestige. Je sais pas qui vient m'aider avec... Ah, le roi d'Écosse qui vient m'aider. C'est... Tu vas pas me dire que c'est l'Écosse, ça. Tout ce qui reste de l'Écosse... Ah non. Ok, il est déjà en train de se battre avec quelqu'un d'autre. pendant ce temps-là, on va piquer son truc pendant qu'il se bat. Ah, et oh, va te faire foutre, hein, et je vais pas attaquer pour toi, hein. Tu vas te faire foutre, tu l'attaques tout seul, mais moi je vais pas te sauver, hein. Le mec il en profite que j'ai des mecs. Oh mais ça m'énerve, il vient me piquer mon truc. Faudrait pas qu'il reprenne ça, il en aura deux, ça m'énerve, il faudrait que je l'attaque après. Je fais une revendication exprès pour attaquer Konakt, et t'as un con qui vient attaquer Konakt en même temps que moi. Ouais, bien sûr, je pourrais pas attaquer Konakt, hein. Ah, oh, ça sert à rien, ça m'énerve, les gens comme ça. Et tu l'as eu se faire. Oh, non, tant pis, non, je reste. Ok, il abandonne. Il était sur le point de gagner et il abandonne comme ça. Je chercherai pas à comprendre. Tap, le plan, tap, le plan, tap, le plan. À mon avis, il a fait ça pour rien pour avoir le comté. J'ai pas envie d'avoir son évêché et sa cité, hein. Qu'il aille se faire foutre, hein. Et pourquoi je suis en train de diminuer dans l'effort de guerre, là? C'est parce que il contre
Le comté de Connacht, ok. Et je vais le donner à mon fils. Je vais le donner à mon fils, titre foncier, accordé, Connacht, inclure tout. Prochain objectif, Kildare. J'aime pas ces stats. Mais c'est pas grave. Et le roi d'Écosse qui m'a pas du tout aidé depuis tantôt, hein, j'ai dû me casser le cul. Pourquoi il a... Attendez. Une revendication pour la baronnie de Monaco. Ok. Peut-être qu'il veut dépenser son fric à Monaco, je sais pas, hein, il y a les casinos là-bas, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà des casinos. On en apprendra plein de choses avec ce jeu. Ma chère Annie me fait peur quand elle veut quelque chose. Elle est prête à tout pour me convaincre. Cette fois, elle veut que je nomme un de ses amis au poste de chancelier. Mirchosi est un homme très compétent. Elle est ravie, hein. Je suis vraiment soumis, hein. Pourquoi t'es plus tuteur? T'as plus de tuteur, tu t'es dit à l'aise, j'ai plus besoin de tuteur, je suis le rebelle là. Tap. Ça va, tout le monde m'aime bien. Tap. Et on regarde si j'ai pas quelque chose à faire. Voilà. Tap. Bon, je crois que c'est sur ce ici qu'on va se quitter pour ce et sur cet épisode de Crusader Kings 2. On va arrêter ça avant qu'il y ait un truc. Voilà, c'est ça que j'ai pas envie. Merci d'avoir regardé cet épisode de Crusader Kings 2. J'espère que vous avez aimé, même si j'ai pas beaucoup parlé sur cet épisode-ci. Merci d'avoir regardé cet épisode, je le dis encore une fois. Abonnez-vous si vous voulez. C'est pas grave. À la prochaine pour une nouvelle aventure sur Crusader Kings 2 à la conquête de l'Irlande. Alors, salut tout le monde !